Depuis ma naissance, je possède un don étrange. Celui de percevoir des choses que personne d'autre avant moi n'a jamais réussi à voir. Tout se mélange dans ma tête. Les images, les sons et même les odeurs. Il faut que je me rappelle. Que je remette de l'ordre dans tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je dois me rappeler qui je suis vraiment. Si je dois vous raconter mon histoire, alors autant commencer par là. Oh, je sens que ça va être stylé. Les gars, je sens que ça va être stylé. Je vous ai trouvé toute seule au bord de la route, au milieu de nulle part. Vous avez eu un accident ? Est-ce qu'on a essayé de s'en prendre à vous ? Un nom, par exemple. Quelqu'un à contacter. Vous devez avoir de la famille, des amis. Quelqu'un qui pourrait me dire qui vous êtes. Eh. Vous n'êtes pas bavarde, hein ? J'ai pas l'air bavarde, en effet. Si vous m'aidez pas, je peux rien pour vous. À rien. C'est une cicatrice. J'avoue, on dirait Stranger Things. Elle est récente. Ah! Vous devez les empêcher d'intervenir. Ils sont complètement dépassés sur ce coup. Dites-leur d'attendre que j'arrive. Bon sang, alors rappelez-les immédiatement, vous m'entendez? Vous devez absolument les en empêcher. Pourquoi il y a le bouffon vert? C'est un receveur de fou, là. C'est un mélange de Stranger Things et Spider-Man, c'est un banger, le film. Le jeu, pardon. Je sais. Ils arrivent. Passe, la fille que vous avez ramenée, où est-ce qu'elle est? Merci, Ka. Merci, Kasumi, je te fais la musique après. Love. Elle est plus là. Soit elle est plus là, soit elle va buter tout le monde à faire. Comme 11. Putain, elle a tué tout le monde. Les gars, ça se voit que le jeu, ça va être un banger, je le sens. Jody, qu'est-ce que tu as fait? L'expérience. Merci Arthur. Attends, je fais la musique pour le sub niveau 2. Merde, je voulais faire un truc qui aille avec la scène, mais ça marche pas. Ah, te voilà. Alors, comment tu vas aujourd'hui? Bien?
J'aime pas devoir te déranger pendant que tu joues, tu sais bien, mais... Mais je crois que c'est l'heure, princesse. Faut recommencer, Kuroko, il était pas là. Ah, merde. Fais chier, putain. Fais chier. Merci, Nswan, pour le prime. Merci beaucoup. Ah, ça se joue comme ça ? Allez, princesse, tu joueras tout à l'heure, c'est promis, viens. C'est Jodie, la petite fille, là ? Je pense que oui, du coup. Ça ressemble à Stranger Things de fou, hein ? Là où elle était quand elle était petite, pour maîtriser ses pouvoirs ou quoi ? Nathan va nous attendre. Non, pas ça. J'ai plus de monnaie. Salut, Cole. Oh non. Salut, Alan. C'est presque prêt. Ça fait deux semaines que j'ai... Trop contente que tu commences un de mes jeux préférés. Bah écoute, j'espère que ça vous plaira. Hein. Et voilà. Il a beaucoup plu cette année. Je suppose que oui. Par contre, il ne fait pas trop froid. Non, en effet. Encore à faire du babysitting, Cole ? Très super. Marrant, Phil. Allez, fiche le camp. Ok, bon, je peux pas aller là, visiblement. Je sais pas où je suis censé aller. Yo, comment allez, viens, tu vas aller ? L'Incae. La forme est toi, Ninui. Elle me dit, viens, il me allez, dit, viens. Viens, je t'attends. Bah, je suis là, je suis là. Il veut quoi ? Il veut quoi ? Allez, vite, Jody. Mais je suis là ! Allez, vite, Jody. Mais je suis là ! Tu veux quoi ? Je suis devant toi ! Rentre, mais ça rentre pas, regarde ! Salut, oh, Jody. Bah... Comment s'est passée ta journée ? Attends, non. Je vous jure, ça rentrait pas, me prenez pas pour un fou ! Je marchais comme ça, dans le vide ! J'ai marché pendant 10 minutes dans le vide devant le truc. C'est pas de ma faute. Ça peut aller. Jody, ça va aller. On est quel jour, Jody ? Jody ou vendredi ? Petite vanne. J'espère qu'elle vous a plu. Ok, on va te mettre ça sur la tête. Tu te rappelles ? C'est comme une couronne. Ok. Et voilà. Maintenant, t'es une vraie princesse. Princesse un peu chelou, quand même. Ne t'en fais pas. Merci, Dean. Ça va très bien se passer. You, comment il va le Link Canounet ? Linka Smile, 2 mois. Ce genre de van, c'est une fin de carrière. Non, c'est pas une fin de carrière. Regarde. Regarde un peu le nombre de subs qu'il y a. Ça crée de l'engouement de fou quand tu fais des vannes comme ça. Enfin, que je bouge les trucs. Jody, est-ce que tu m'entends ? Oui. Oui. B et Paul. Ok, on y va. Kathleen est dans la salle d'à côté. Et elle a les mêmes cartes que toi. On va lui demander d'en choisir une, et on va voir si tu peux deviner celle qu'elle a choisie. Tu crois que tu y arriveras ? Je sais pas, et Paul. D'accord. Super, alors on y va. Première carte ? Mec, c'est tellement stylé. Merci pour tout, cœur. Comment je redeviens moi-même ? Ok. Carte suivante. Attendez, c'est trop un banger par contre ! Merci Dren, merci beaucoup. Carte suivante.
Bien joué, Jody. On va essayer autre chose. Jody, dans la pièce d'à côté, on a installé des cubes sur la table. Tu crois que tu pourrais les faire tomber ? Les faire tomber ? Bien, Jody. Est-ce que tu peux faire bouger d'autres objets ? Mais mec, c'est trop stylé ! Je fais tomber la dame. Ah, je peux pas. La pauvre, elle va être traumatisée. Là, j'ai bien fait, là. Je voulais shooter la dame, mais on pouvait pas. Ça suffit. Je suis désolée, mais j'arrête là. Arrête, tu m'étonnes. Jody, ma chérie, l'expérience est terminée. La porte est fermée. Mais si, non, Kathleen, c'est pas fermé, elle doit juste être bloquée. Donne-nous un instant. Restez calme, Kathleen. Va ouvrir la porte. Kathleen a un peu peur, je crois. Je peux arrête comprendre. Ça immédiatement, Jody. Le test est terminé. Tu dois arrêter, compris ? Ça suffit, Aiden. Touche à rien. Ça suffit, Aiden touche à rien. En fait, on maîtrise quelqu'un d'autre qui s'appelle Aiden, Jody, c'est ça ou rien à voir ? L'expérience est terminée. Merci Pilou, me répondez pas. J'ai eu l'impression que c'est ça du coup. Comme si on pouvait mentaliser. Enfin, on avait quelqu'un dans notre tête qu'on pouvait utiliser. Merci Pilou pour le Prime. Eh, regarde Aiden. C'est Aiden qui me regarde, c'est sûr. C'est sûr, les gars. J'ai un Aiden en moi. Expérience stoppée, voix non empruntée, 70%. Voix non empruntée, Kathleen laissée tranquille. Bah, j'avais pas la laisser je l'ai laissée tranquille là, j'ai rien fait. J'ai fait juste ce qu'on m'avait demandé, genre. L'ambassade. Ah ouais, j'aurais dû juste pousser deux objets et voilà quoi. Pas grave. Plan B, invité, robe, timide. J'ai l'impression que tout le monde nous regarde. C'est pas qu'une impression, tout le monde nous regarde. Qu'est-ce que je fais si jamais ça tourne mal ? Tu ne pourras rien faire du tout. Top, top, top. C'est bien ce que je pensais, je voulais vérifier. Mais le plus important, sois naturel. Si quelqu'un te parle, contente-toi de sourire. Tu veux que je sois naturel ou tu préfères que je sois souriante ? Je savais pas que t'avais de l'humour. Seulement quand je suis morte de trouille. Ryan, je suis ravi que vous soyez là. C'est toujours un plaisir, Cheikh Ahmad. J'aimerais vous présenter mon assistante, Elisabeth. Je ne savais pas que la diplomatie américaine avait en sa possession des armes de séduction massive. Oh là là, le beauf ! Vas-y, réponds-moi, Elisabeth. Messieurs, je vous rends votre hôte. On discutera plus tard, Ahmad. À plus tard, Ryan. Il me déteste. Il devait imaginer ma tête au bout d'une pique. Mais je crois qu'il t'a trouvé charmant. Je devrais être flattée. Je vais aller serrer quelques mains. Mêle-toi aux autres, trouve un coin tranquille. Tu sais ce que tu as fait. Non. Je sais pas du tout ce que j'ai à faire, on m'a rien dit. Quel plaisir de vous voir. Merci, poulet. Il faut que je trouve un calme. Oh non, je veux des friandises. Donne-moi à manger. Donne-moi à manger, je veux ça. Je prends un verre. Je peux ni boire ni manger, c'est un jeu de merde. Oui, oui, moi. C'est pas mal. Bon, allez, c'est bon, j'ai bien compris. J'ai pas le droit au plaisir, j'ai pas le droit au bonheur. Donne-moi ta flûte. Donne-moi ta flûte, je te dis. J'ai essayé de la pousser, mais ça, je peux pas. J'ai essayé de faire comme avec le papier, mais je peux pas la pousser. Elisabeth. Merde. Je vois que vous avez échappé à notre ami commun. Un verre, peut-être. On pourrait apprendre à se connaître un peu mieux. Ouais, je demande que ça, moi, boire un coup. Comme vous voudrez. Alors à plus tard.
pas à faire tomber des trucs là? Aiden, va faire pousser des gens. Ok, je peux pas. Je peux faire tomber personne. Non, pas maintenant, tu vas attirer l'attention. Ok, ok, j'arrête, désolé, je voulais shooter tout le monde moi à la base. Est-ce que je peux monter là-bas, vous pensez? Qui est Aiden? Bah, on dirait que c'est une personne qui n'existe pas, qui est dans ma tête. Madame, l'accès à cette zone est interdit, c'est réservé au personnel. Ok, my bad. Putain, mais où est-ce que je vais pouvoir me poser tranquillement? Sans éveiller les soupçons. Il faut que je trouve un endroit calme. Eh ben c'est ce que je cherche, les chiottes. Les chiottes, voilà. C'est calme. Ah non, c'est pas ça, c'est ça. Ok. Je propose des bonbons, ils montent dans la camionnette. Bah ça dépend des bonbons, si c'est des bublis, why not? Bah là je suis au calme là, je peux pas rentrer dans les chiottes ou quoi? Ok super. Wow, tu peux te poser sur la cuvette carrément. C'est un canapé le merdier. Oh non. Aiden? Aiden, est-ce merci Gwen. Oui, je suis là. Il y a un grand tableau dans une des pièces à l'étage. Derrière, il y a un coffre. Les documents qu'on doit trouver sont à l'intérieur. Mais il y a des gardes et des caméras, alors tu dois faire attention, d'accord? Mais je suis invisible, t'as son nom? Il est pas invisible, Aiden? Vite, Aiden. Ah, il y a une touche pour monter, ok. Ça fait un mal de chien quand tu vas trop loin. Comment je fais pour savoir où c'est? What? Attention, Aiden. What? Tu sais bien que tu ne dois toucher personne quand tu contrôles quelqu'un. Bah, c'est trop un banger, attends, what the fuck? Je peux pas rentrer, je comprends pas. Ah si, c'est bon, je peux là. Bah il veut pas. Mais attendez, c'est trop bizarre, j'ai l'impression que c'était là qu'il fallait que j'aille. Un bureau avec un portrait du chèque. Ok, c'est là. C'est le bon endroit. Habib, Mazataf. Les caméras. Je t'ai dit de t'en occuper en premier. Ah merde. Man. Anna. Anna. Bonjour, ara kulla shay'in ala bayram. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas ce que je dois faire avec ça. J'ai débloqué un nouveau bonus. Il doit y avoir un interrupteur. Pour bouger le tableau. Ça va être pas loin, genre. Trouve-le, Aiden. Ça va être là-dedans, dans un des trucs. Allez, let's go, c'est ça? Mais là, du coup, je vais me faire griller vu que j'ai pas touché aux caméras, non? Oussam, اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. حاضر, سأذهب حالا. Merde! La caméra fonctionnait! Le garde arrive, touche à rien ou il va donner l'alerte. Je touche à rien. Ah,
أنا في المكتب. كل شيء في مكانه. Drôle. En fait, je croyais que vu que j'avais pas fait la caméra tout à l'heure, là ça y est, j'avais passé le truc, tu vois qu'elle m'engueulait juste parce que j'avais pas fait. Attends, il doit avoir la caméra quelque part. La caméra elle est derrière ça du coup ? Où est-ce qu'elle est la caméra ? Vous voyez une caméra là, chat ou pas ? Ah là ! Là je peux lui faire un truc ? Je peux rien faire. Ah ça c'est monter, ça c'est descendre. Ok, je trouvais pas. Je peux pas juste baiser le mec des caméras. Attends, c'était où? C'était là. Je peux pas lui faire un truc à lui. C'est le bon endroit. Aiden, fais ton boulot, ok? Ah merde! Il faut distraire le garde d'abord. Ah, ok. Comment je peux le distraire lui? Ah, c'est sa tête. Ok, il regarde le foot. Je vais lui baiser le foot. Voilà, il est bloqué. Let's go. Ok, et là, il faut que je trace en gros, c'est ça? Personne ne pourra plus surveiller le bureau principal. On devrait être tranquille. Chou. Attends, je suis où, je comprends rien au truc. Je suis passé à travers un mur sans faire exprès. Ok, c'est bon. Ah, c'est pas facile à gérer, Aiden, non? Et du coup, c'est là-dedans, là. On a vu tout à l'heure. Ok, vite. Oh merde. Vas-y, essaie d'ouvrir le coffre. Bien joué. Maintenant, faut qu'on lise ces documents. Dépêche-toi. Je tiens plus très longtemps. Ok. Allez, vite. Bon, bouge plus. RB, c'est quoi RB? X. Je passe à un truc là. Allez, c'est bon. هل من احد هناك؟ الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعل هنا؟ انها مراحل السيدات. Ah oui, t'as rien à faire dans les chiottes des femmes. Tu comprends tout ce qu'il dit, il a dit ça. Elle y a dit ça. Ça va, madame? J'ai vraiment plus de force, quoi. Désolée. Je ne peux rien faire pour t'aider. C'est qui, celle-là? Bonne chance. Elle vient, elle rentre dans mes chiottes, elle vole les trucs et elle se barre. Et genre, je me suis mis dans les chiottes et j'ai pas fermé le chiotte. Faut que je me rince le nez là, sinon ils vont voir que je suis un chelou. Hein. Je peux pas m'essuyer le pif? Si. Oui, tant que je demande pas d'aide, mais cherchez pas à m'aider, chat. Moi, je veux rien savoir, je veux découvrir le jeu sans qu'on me gâche l'expérience. Faites comme si j'étais pas là. Mais là, je suis trop en chelou, regarde, je boite et tout. Ah, je suis Keblo. Non mais je suis carrément Keblo, il se passe quoi?
Merci, merci XP. Merci Silver, c'est gentil. Ok, c'est bon. Johnny, est-ce que ça va? Non, me touche pas. Je veux qu'on s'en aille. Bon, ok, on s'en va. Mais attends, elle trouve pas ça bizarre là. Attends, mais pourquoi elle s'énerve et elle dit rien? C'est trop bizarre. Oui, je pense qu'ils vont juste penser que j'étais bourré. Hein. Merci Gabin pour les 1 an. Heureux de cette année avec toi, bisous. En fait, je suis pas sûre. Je ferais peut-être mieux de pas y aller. Jody, ça fait des semaines que t'as prévu d'y aller, tu vas pas te dégonfler maintenant. En plus, je connais personne. Une demi-heure, Lucky, je pense même pas. Peut-être qu'ils m'aimeront pas et... Cette robe est affreuse. S'il te plaît, on peut rentrer. Oui. Merci, Hoche. Il n'y a aucune raison de paniquer. Ce n'est qu'une fête d'anniversaire. Tout le monde t'appréciera, j'en suis sûr. Tu vas t'amuser et peut-être même te faire des amis. Allez. Allez, ça va bien se passer. On y va. Oh, tu as oublié ton cadeau. Un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Il a 50 ans et il est très rare. Je suis sûr que ça lui plaira. Allez, t'en fais pas. Tout va bien se passer. Je viens te chercher à 5 heures. Amuse-toi bien. Ça se voit que c'est un bouffon, lui. Un gros bouffon vert même. Allez, on va faire l'anniversaire, on va traumatiser les gamins en faisant voler le gâteau. Merci CC pour les 25 mois, merci beaucoup. Bonjour. J'espère que je vais pouvoir faire voler le gâteau. Salut Jody, entre. Bonjour. Kirsten, tu te dépêches, il faut que j'y aille. Entre, Jody, fais comme chez toi. Salut. Jody, c'est ça? Viens, on est dans le salon, il y a quelques filles de mon école et des mecs pas trop relous. C'est un cadeau pour moi? Cool, merci. Bah, de rien, de rien. Je m'en vais, ma chérie. Prends soin de tes amis et surtout ne faites pas de bêtises, d'accord? Non. Ouais, maman, comme tu veux. Qui je vais pouvoir faire voltiger? Je suis en train de tirer. Hé, tout le monde, ça c'est Jody. Elle est dans l'unité 4 avec ma mère. Dans l'unité 4? Le service du paranormal. Ouh, et qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu plies des cuillères ou tu parles avec les morts? Non. Des trucs comme ça? Non. Wouh! Allez tout le monde, je vais chercher la bière. Les gars, fermez les rideaux. Les filles, mettez des bougies. Et Jody, t'as qu'à t'occuper de la musique. On va trop s'éclater! Ah, c'est à moi de bouger, je croyais que j'étais dans une cinématique. La musique, là-bas. Des bières, des amis, de la musique, mais c'est la fête parfaite! Country, pop, rock. La pop. Non, la disco. Sérieux, qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi faire. On va mettre un truc de ce siècle. Quelque chose. Mais elle veut quoi, elle? Hey! Bouge de là! Je peux pas remettre. Je peux pas remettre, elle a gâché tout mon truc. Toi, t'es la première à qui je vais jouer un sale tour, je te le dis direct. Je vais te faire un sale. Ma mère met plus les pieds dans ma chambre en ce moment, elle est complètement à la masse. Kirsten, t'es un génie. T'es un génie, on a de la bière, c'est trop... c'est ouf. Bah ouais. Ouais. Pourquoi je prendrais pas de bière? Mec bourré, mes pouvoirs, ça va être incroyable. T'es tout ou quoi? Tu parais qu'elle a jamais bu d'alcool. Non, c'est pas la première fois. C'est ça, on va le croire. Mais ils veulent quoi, tous ces bouffons? Personne à chiner, y'a rien. Oh, je peux faire un sale coup avec ça.
jure, je peux me mettre une caisse là? Cul sec là. Hop les. Encore, encore, encore. J'ai un des pouvoirs de fou, je vais casser toute la maison. Coucou Linka. Je suis complètement faillé les gars. Merci Breath of the Wild. Attends, attends, vide mon pouvoir. Oh, je le contrôle pas bien. Il est bourré, je crois. Je crois qu'il est bourré, mon pouvoir. Oh, c'est qui m'a fait changer de musique? C'est elle. Est-ce que quelqu'un a allumé la clim? Il fait super froid. Pourquoi je peux tous les posséder? Pourquoi je fais ça? C'est moi ou ça caille? Ouais, ça caille, hein! Ça te tente? Ça tente de quoi? Allez, je sais pas ce que. Ah, c'est du joint, bah il manquait plus que ça! Ouais! Oh merde, je suis. Attendez, les gars, je suis à 10 grammes! J'ai possédé les gens, je fume de la weed et tout, y'a rien qui va! J'avais pas vu qu'il me proposait un joint à la base! Putain, dans quoi je me retrouve? Oh, c'est ta première fois? Ça m'a fait la même chose. Oh man, what the fuck. Oh, j'ai tiré sur ta mèche, je suis complètement faillé, man. Ah, oh, j'ai le big smile. Je suis en train de m'enfumer comme un jambon, man. Je suis total faillé. Oh là là, ouais, je me fous en l'air, je me fous en l'air. Waouh! Oh, ma démarche! Ça va, Jody? T'as l'air un petit peu bizarre. Eh, t'es toute pâle d'un coup? Est-ce que t'es sûre que tout va bien? T'as pas l'air très en forme. Je suis pas en forme! Oh, les gars! Ouh, tu t'es mise dans un de ces états! Je me suis foutu en l'air, rien à foutre, allez, je me casse! Niquez vos mères, vous et vos soirées de merde! Je sais ce que tu penses. Tu te demandes ce qu'on fait ici. Je me pose la même question. Allez, viens, on se casse. Viens, on va conduire. Tu m'avais prévenu. Viens, on va conduire, on se barre. On se barre en voiture. Je pense que c'est la meilleure idée à avoir dans ce cas de figure. Sortir et d'avoir des amis. Le pire call possible. C'est pas vraiment à ça que je m'attendais. Là, c'est la débauche. Je me casse. Je peux pas casser des trucs avec mon pouvoir là. Ah, on peut pas. Tous les cailles là-dedans. Je sais pas à quoi ça sert de tous les. Les congeler. En fait, je crois que je peux pas me tirer, hein. Ouais, je peux pas partir, les gars. Je suis obligé d'aller à la résoie. Je vais m'asseoir. En 2 minutes, j'ai bu 2 bières et j'ai fumé un ouange. Il veut quoi, lui? Il veut me draguer. Salut. Putain, ouais, il a mis longtemps Matt. À parler. Jody, c'est ça? Ouais. Je crois que je t'ai jamais vu au bahut. Tu suis pas de cours sur la base? Je suis un autre programme. Je vais me mettre sociable. Avec un prof particulier. C'est plutôt rasoir. J'ai jamais l'occasion de voir personne de mon âge. Mais bon, je suppose que j'y suis habituée. Alors, tu bosses avec la mère de Kirsten? Ouais. On travaille dans le même labo. Elle a pensé que ce serait une bonne idée que je vienne pour passer un peu de temps avec des personnes de mon âge, alors. Me voilà. Avant, j'habitais à Londres. Puis on a emménagé ici il y a 2 ans. Il a l'air gentil, lui. Où est-ce que t'habitais, ouais?
Dis la vérité. Sur la base. En fait, j'y ai toujours habité, j'y suis même née. Est-ce que t'as des loisirs? Non. Des trucs que tu fais pour t'éclater? Non. Moi, je sers des gens. Je possède les gens. Et je joue dans un groupe avec des potes. Et toi, qu'est-ce qui te branche? Il a l'air cool, lui. Sociable. Ça va te sembler. Je vais me le faire, les gars. Je vais le pécho. Ben, j'aime beaucoup lire et. J'aime le sport. En fait, je peux pas quitter la base, alors ça limite un peu mes choix. Jolie, j'ai un truc à te demander. Tu veux sortir avec moi? On se connaît depuis 2 minutes. Pourquoi t'es dans l'unité 4? Ah non, ah, je lui dis la vérité. Je lui dis la vérité, j'ai des super pouvoirs. Donc, je suis pas comme j'ai tout le monde. J'ai un genre de don, un lien avec une entité. Une entité? Tu veux dire comme un fantôme ou un truc dans ce genre-là? Ouais. Je sais que ça peut paraître complètement dingue, mais c'est un peu comme une sorte de présence invisible qui me suit partout. Est-ce qu'il est là en ce moment? Ouais. Ouais. Ouais, il est là, il nous écoute. Oh, cool, un slow. Est-ce que t'as envie de danser? Ouais. Il est trop gentil, lui, je l'aime bien. Ah, j'ai hâte qu'il me dorlote. Moi qui ai jamais eu d'amis. Enfin, je vais avoir un petit copain après 2 minutes. Oh, c'est tellement romantique. Ah, faut que je tourne, merde. Ah, mais je me suis trompé de touche. Aïe. Désolé, je comprends pas ce qu'il faut faire. Je fais un mouvement, mais ça marche pas. Ça fait rien. Désolé, je suis une merde en danse. Tu sais, je parie qu'on te le dit tout le temps, mais il est super mignon, je te dis. Putain, c'est hyper rapide entre nous, là. Mais vas-y, ok. Je dois dire que t'es plutôt mignon. Vas-y, j'ai jamais eu de mec. Un petit kiss, un petit French kiss. Comme les autres filles que je connais. Il y a quelque chose de spécial chez toi. Bah ouais, c'est normal, j'ai un... Ouais, c'est bateau, vas-y. C'est bateau. Mais c'est réciproque. Je te trouve plutôt spécial aussi. Ouais, vas-y, j'ai envie de mettre la charrue avant les bœufs. Hé hey, tu touches quoi? Bouge les mains, là. Tu fais quoi? Lâche mon yonf. Pour qui tu te prends? Tu crois quoi? Merci pour la danse, Matt, mais je... Tu m'échanges de mots et tu peux me tripoter le fion? Tu te prends pour qui? Gros naze. Eh, les gars? Pourquoi Jody nous ferait pas une petite... Les gars, mais les gars, arrêtez! Moi, je suis pas comme ça! Non, excellente non, idée, je serais curieux de voir ça. Laissez tomber, c'est juste des conneries. Ouais, vas-y, Jody, montre-nous ce que tu sais faire. Fallait le galoche, mais c'est mort! Il vient, il me touche le pétard au bout de 2 minutes! Accepté, vas-y, ok. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Jody? Je vais bien leur faire fermer leur gueule avec mes pouvoirs. Bon, taisez-vous. Et arrêtez de bouger. Je suis mort de trouille, je me fais dans le froc. Tiens, toi, tu parles trop, toi. Ah, je peux rien te faire, t'as de la chance, je peux rien te faire. Ah. Là, j'ai vu quelque chose. Sois pas débile, Emma, y'a rien du tout. Je te dis que si. J'ai senti un truc. Je suis gelée. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh merde, putain, c'était quoi ça? Je vais vous faire bader, les gars. Alors les nulos, on me croit maintenant? Tiens, ta télé de merde. Regardez la télé. Tu les tous. C'est peut-être un peu excessif. Pour une soirée entre ados. Ok, j'en ai assez vu. Ouais, moi aussi. Ouais, c'était vraiment flippant. C'est bon, vous me croyez maintenant, les gros nuls? Je voulais effrayer personne. Désolée, je... C'est vous qui avez insisté et...
Bon, allez les gars, c'est l'heure de manger ce délicieux gâteau et surtout d'ouvrir mes cadeaux d'anniversaire. Fais un pain d'aquille, ouais, ouais. Merde, j'ai craché partout. Bon, allez, les cadeaux. Attendra, je préfère ouvrir mes cadeaux. Mon cadeau, il va puer sa mère comparé aux autres, je suis sûr. Bisous, ça... Jen, joyeux anniversaire. Oh, c'est trop mignon de ta part, je parie que c'est décollant. Un string, c'est exactement ce que je voulais. Comme ça, tu piqueras plus ceux de ta mère. C'est exactement ce que je voulais. De trouver un mec potable. Ah, un string, c'est exactement ce que je voulais, merci. Mon prochain copain manquera pas de te remercier pour avoir rendu sa vie plus excitante. Tiens, moi, c'est un recueil de poésie de 1942. Oh, top. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vieux bouquin? Ah, oh, ça sent le moisi. C'est un livre très rare. Un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan qui? Quoi? T'as piqué ça dans la bibliothèque de ton grand-père ou quoi? Non, non, c'est un livre très ancien. Ouais, comme ta robe, on dirait. Je vais tous les tuer. Non, sérieux, c'est ça ton cadeau? J'arrive pas à croire que tu sois venu à mon anniversaire pour me donner cette vieille merde. Mais elle qui réagit comme ça? Intelligente. Mais c'est juste un rat de laboratoire. Exactement, un sale rat de laboratoire. Ouais. En plus, elle m'a suivi comme un petit chien toute la soirée. Elle attendait que ça. Oh, alors c'est une salope aussi. J'avais pas envie de l'inviter, moi. C'est ma mère qui m'a forcé. Ouais, c'est une salope. Mais c'est quoi, ces bâtards? On devrait peut-être la punir pour ça. Et qu'est-ce qu'on fait aux sorcières? On les brûle. Ah, chopez-la. Non mais alors là les gars, je vais vous défoncer la gueule. Arrêtez. Oh, maîtresse des ténèbres obscures. Arrêtez. Montre-nous tes super pouvoirs. Pitié. Pitié, sortez-moi. Mais c'est quel genre de fils de pute? Je vous en supplie, pitié, laissez-moi sortir. Pitié. Si quelqu'un a parlé de gâteau. Pitié, je veux sortir de là. Pitié, faites-moi sortir, je vous en supplie. Ouvrez-moi. Alors là les gars, je vais faire une catastrophe, je vous le dis hein. Je vais faire une catastrophe. Je peux pas utiliser mon pouvoir, putain de merde. Non me laissez pas comme ça. Dites-moi que je peux utiliser le pouvoir et massacrer tout le monde là hein. Pitié. Je vais être dans une colère folle, il va sortir par lui-même, il va tout casser. Ah non mais je veux sortir la fin des carabistouilles là. Non Jody, c'est pas grave, c'est des bâtards. C'est des bâtards, vengeance. Vengeance, vengeance. Vas-y Aiden. Massacre. Ils s'en foutent de s'en prendre à quelqu'un qui a des pouvoirs. Bravo, c'est super drôle, Steven. Mais tu plaisantes, c'était pas moi. Je vous jure que j'y suis pour rien. Je peux pas faire d'autres trucs, là? Peut-être que c'était Jody. Ah allez, tenez, prenez-vous tout dans la gueule, j'en ai rien à foutre. Je pars d'ici. Hé, me laisse pas toute seule. Hé, attendez-moi. Merde, j'arrive pas à ouvrir la porte. C'est impossible, et c'est encore. Encore. Je te dis qu'elle est fermée. Merci l'exposition, enfin, Thomas. Hé, pas de panique, restez calme, ok? Je vais les traumatiser à vie, je peux vous le dire, c'est des petites merdes tous. Je les traumatise à vie, rien à foutre hein. Ça me brûle avec des clopes, ça me traite de sorcière, ça essaie de me brûler. L'autre il me traite de pétasse et tout, alors là. Je la vise, voilà, hop là, dans la gueule. Alors les nulos. Alors. Ça ferme sa gueule là. Tiens toi tu vas te prendre un canard dans la gueule, attends je m'aligne bien. K.O. Allez hop. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Tiens, bouffe! Pas question que je reste. Putain de merde! Bouffe! Allez! Attends, toi, tu vas te prendre du jus dans la gueule. Hop là! C'est un cauchemar! Attention! Allez! Allez! Bah alors, on appelle à l'aide? Alors, les victimes! Je vais tout casser. Allez hop! Bah alors les petits nulos. Y'a quoi d'autre? Oh lui il se défend. Elle c'est celle qui m'a brûlé avec la clope. Ah dommage, t'es un dommage collatéral mon pote. À l'aide. Est-ce que je peux continuer? Oui.
tu vas mourir. J'en ai rien à foutre. Arrête maintenant. Non. Je crois qu'ils ont compris le message. Jamais. Allez, viens, il est temps de s'en aller. Jamais. Je les fous KO. Jamais je m'arrêterai. Anton, j'ai dit ça suffit. Ils ont ce qu'ils méritent. Faut qu'on s'en aille. Ils ont ce qu'ils méritent. Oh non, 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 non. Putain de merde. J'ai failli prendre les couteaux. J'ai failli prendre les couteaux. Kirsten, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de nous tuer. C'est un démon. Cette fille est un démon. Allez, Jodie. Rentrons à la maison. J'aurais pu faire bien pire. J'aurais pu faire bien pire, j'aurais dû prendre les couteaux. Pourcentage de joueurs ayant également suivi cette voie. Oh ! Je suis un des... je suis dans les plus rares à s'être bourré la gueule. J'ai montré mes pouvoirs, il n'y en a que 37%. Maison intacte. Non, ça, je suis pas dedans, là, bizarrement. J'aurais pris des couteaux aussi. Non, mais c'est trop, je vais quand même pas les tuer. Mais j'aurais pu. J'aurais pu. Merci Valentine pour le prime. Les gars, moi j'en ai rien à foutre, je vais écouter mon cœur pendant cette aventure. Si les gens ils sont méchants avec moi, je serai méchant avec eux. Mais bon, je vais pas les tuer quand même. Arrête Aiden, c'est ta faute si on a des ennuis, alors arrête. Attends, mais c'est la même période. Docteur Matthews, c'est lui qui... On dirait elle a 15 ans de moins. À partir de maintenant. Il a l'air très gentil. Vas-y, il veut te rencontrer. Allez, dépêche-toi. T'attends ici, trésor. Ok, j'y vais. C'est pas la même période. Ah ok, bah je sais pas, il a dit qu'on avait des ennuis. Non ouais, elle est plus petite là, ok. Bonjour, petit. Approche. Je m'appelle Nathan. Ah, c'était notre rencontre avec Nathan, ok. Je me suis dit que ce serait une bonne idée qu'on discute, toi et moi, pour qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux. Ouais. Enfin... Si ça ne t'embête pas trop, bien sûr. Ça m'embête pas, j'arrive. Laisse-moi finir ma gorgée d'eau et je suis à toi. Bon, qu'est-ce qu'il y a, petit père? Jody, tu vois mon travail? C'est d'étudier les événements bizarres et d'essayer de les comprendre. Comme... les choses qui arrivent autour de toi. Tu vois, Jody? Ouais. Ta maman m'a raconté que tu avais un ami invisible. Ouais. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est avec toi, cet ami? Ouais. Depuis ta naissance? C'est un fantôme? Ou alors l'esprit de quelqu'un qui serait décédé? Est-ce que tu peux le dessiner? Ah oui, je suis curieux de savoir comment il est. Ça se trouve, c'est un monstre de fou, les gars. Ça se trouve, c'est vraiment un monstre horrible.
Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai des griffures sur le bras. Partout sur le bras. Ah, en fait, j'ai juste... c'est mignon, en vrai. Je regarde. C'est vraiment, c'est... Elle voit une ombre, en fait, qui la suit partout, quoi. Non, ça m'ennuie pas, tu peux regarder. Merci, Nefri, pour le Prime, merci beaucoup. Alors, cette chose, c'est ton ami, et il est relié... À ton cul. Avec une espèce de cordon. Est-ce qu'il est avec nous? Tu peux lui demander de faire quelque chose? Bah ouais, 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 moi je kiffe montrer mes pouvoirs, ouais. Aucun souci. Merci Lily pour le prime. Tu lui dis ce qu'il doit faire et il obéit? Non, je dis pas à Aiden ce qu'il doit faire. Il décide tout seul. Il est comme un lion en cage. On est attachés tous les deux. Il peut pas s'en aller. Et ça le met très en colère. C'est pas de ma faute. Je voudrais qu'il parte moi aussi. Ah. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Ok. Est-ce que... Merci Lex pour le sub au Farency. Non. C'était les monstres. Le bas de la gamine. Mon ordi à 5000 balles, cool, bien choisi, j'avoue. J'aurais pu faire bouger du papier, j'ai choisi de péter son ordi à 10 000 balles, tu sais. J'avoue, je suis vraiment une merde, putain. On devrait faire le jeu en faisant l'inverse des choix qui doivent être le plus faits. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, remarque, c'est bien aussi de m'écouter et de faire le jeu comme je l'aurais fait naturellement. Mais ça doit être marrant de prendre, de faire toutes les pires décisions possibles, enfin genre les décisions qui seraient les moins prises naturellement, genre. Je sais pas si c'est mieux de faire mes choix ou d'essayer de faire volontairement les trucs qui devraient être les moins faits. La formation commence demain. Une autre fois, ouais, j'avoue, je peux faire le jeu comme je veux. Et un autre jour, on le fera en faisant tous les pires choix possibles, comme on avait fait pour comment il s'appelait déjà ce jeu? Detroit Become Human et tout ça, par exemple. Vas-y, je fais mes choix et la prochaine fois, qu'on le fait, on essaiera de faire avec tous les pires, les choix les moins faits possibles, genre. Je suis trop fort. Sers-toi de ton élan pour passer de l'autre côté. Allez, je suis une machine. Allez. C'est ça, Holmes. Continue. J'ai pas toute la journée. Chef, oui, chef. Et quand l'action est ralentie, tu as la direction du geste de Jodie pour finir son mouvement. Ok, ok. Ok, c'est un genre de tuto, quoi. Très bon petit réflexe, hein. Oh merde. Attends, pourtant j'ai fait le bon côté, j'ai mis à gauche. Vers la gauche, orienté le joystick à droite. Ah, le joystick droite vers la gauche, mais c'est ce que j'ai fait. Je jure, c'est ce que j'ai fait. Mais... J'ai mis en bas, mais pourquoi je galère? Encore une fois. Ok, ok.
Je vais péter les plombs, les gars. Ok, c'est bon. Encore c'est bon. Une fois. C'est bon, je pense qu'en mettant le coup de joystick, ça a orienté mal. Là, quand j'enlève mon doigt du joystick et que je fais un par un en enlevant à chaque fois, ça marche mieux, j'ai l'impression. Ouais, ça marche mieux, ok. Faut pas que je le tienne, en boucle, non, en gros. Non, ouais, ben voilà, non, là j'ai remis mon doigt dessus et ça marche pas. Ça a pas l'air, ça a l'air pas intuitif. Si, c'est intuitif en vrai. C'est moi qui faisais de la merde. C'est juste, fallait pas que je laisse mon doigt dessus. Tu vois, là ça va tout seul quand j'enlève. En gros, j'avais déjà mon doigt sur le joystick et du coup, tu sais, genre si je laissais à gauche, qu'après ça changeait de truc, le temps que je fasse le mouvement, tu sais, genre au lieu de faire gauche, parfois je touchais un peu ou quoi, il faut juste que j'enlève et je remette à chaque fois. C'est bon, ça va. Ça va. Faut faire quoi là? J'ai pas suivi. J'ai pas écouté. RB. Dégage de là! Mais les gars, mais plus tard dans le jeu, je vais trop en chier. Ces quelques lignes pour célébrer mon 23e mois, ma manière à moi de te faire signe. Mon streamer préféré, oui, c'est toi. Point, c'est peut-être un message pas très commun, mais au moins qui te donnera le smile. Merci graphique. Écrit de mes mains, qui que vous soyez. Merci mille fois graphique, c'est adorable. Je vais au mauvais endroit. Je vais au mauvais endroit. Allez vite, remets-toi à couvert. Je sais pas où je dois me mettre à couvert. Je suis parti du truc sans faire exprès. C'est impitoyable. Allez, c'est encore. Désolé chef, je me suis trompé de bouton. Comment je courais, putain. Ok. Les gars, c'est vraiment dur, hein. Oh, je galère. Ok. Ok, c'est bon, j'ai capté. Bien joué. Ouais, c'est vrai. Ça, j'ai bien joué là. NK égale 1K EUDM KD. Excellent, Johnny. Ouais, merci. Ok, recrue. Débarrasse-toi de ces barils de pétrole. Merci, Anton. Merci beaucoup pour le prime. Pas mal. On continue. Ok. Oh non, pas encore, non. J'enlève mon doigt du truc. Je sais pas où ça venait, je sais pas compris, je croyais que je devais mettre un coup de pied vers le haut là. Là, je suis trop fort en fait. Accélère et garde ton gros cul à terre. Eh, hey, parle bien de mon gros cul. Tu sais combien d'heures de squat j'ai dû faire pour un gros cul comme Bouge ça, respecte-le. C'était du taf. Je t'en foutrais des gros culs.
Bouge-toi un peu, recrue. Tu fais pas ton putain de footing du dimanche. Il parle trop mal, lui. Allez, j'aimerais trop en faire des parcours du combattant comme ça, ça doit être trop un banger. Salut Clyde. Guettez ce que je sais faire. Là ça y est, je m'approprie la manette. Oh non, je me suis fait un claquage. Maintenez les deux orbes sur la blessure. Je peux me soigner ? Mais attends, c'est trop... En fait, mon pouvoir, il est incroyable ! Il est encore mieux que ce que je pensais, genre. Machine. Putain, double instructeur. Les gars, regardez comment je m'approprie la manette. Avouez, vous me reconnaissez pas, là. Pas mal. J'ai fait tout le QTE. C'est une première pour moi, c'est une première mondiale. J'ai réussi un QTE du premier coup. T'es qui? Je suis une autre personne. Je suis méconnaissable, en fait. Oh là 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 là. Non, mais ça, là, je me reconnais pas, chat, vraiment, je vous jure. C'est pas de moi, ça. Wow, je vais devoir passer tout ça là? Oh non. Comment je fais pour passer? Ah, je peux l'éliminer. Ah oui, l'entraînement, il rigole pas du tout. Le pauvre entraînement, désolé mon vieux, c'est l'entraînement, c'est pas de ma faute. Je suis pas responsable. Oh, la pire journée qu'il a, lui. La bonne journée de merde. Vite qu'il fasse demi-tour, vite. Tu es en location, j'ai eu un bon réflexe. Allez, mange ta mandale toi aussi. L'éliminer là? Il en a rien à foutre. Tu veux vraiment qu'on passe toute notre putain de nuit ici? Mais attends, mais c'est une blague ou quoi? Allez, encore! A plus, Oblivion! Essaye! Mais quoi? Il a même pas bougé quand j'ai fait le truc! Oh non! Putain!
a même pas bougé, c'est quoi cette merde? T'en as oublié un? Bah, je pouvais pas l'éliminer, le jeu il me proposait pas. Genre le jeu il m'a pas du tout proposé de l'éliminer l'autre. Ok tiens, mange ta mandale toi. Cache-toi, vite. Attends, lui, fallait pour lui péter la gueule, fallait bouger ça, c'est ça? Allez, va voir. Là, je dois pouvoir l'éliminer, pourquoi je peux pas? Ok. Mais je le tue là en fait. J'ai tué la personne avec qui je travaille. C'est dur, là tu vois, j'arrive pas à me décoller du truc pour aller vers l'autre. C'est un peu bizarre comment c'est foutu. Ok, et là du coup je vais pouvoir aller l'éliminer. Ok, lui il prend sa mandale aussi. Ok. Ah ok, putain, il y en a plusieurs en fait. Tu peux pas l'éliminer là, lui? Ok. Et voilà, et maintenant je vais pouvoir descendre. Je pense que c'est lui qui m'a fait griller tout à l'heure. Je pense. Comment je descends? Je sais pas comment on descend. Mais mec, c'est pas très bien fait le merdier là. Ah bah voilà. Pas mal, Jody. Mais si c'était pas un exercice, tu serais déjà morte. Bah pourquoi? Si c'était pas un exercice, tu serais même pas capable d'ouvrir ta grande gueule, Ryan. Félicitations, agent Holmes. T'as réussi. Comment je suis trop stylé? Bienvenue à l'agence. Non mais sérieux! Merci, monsieur. Ouais, comment je suis trop stylé? Ouais, Jody. Bienvenue à l'agence. Eh ben, on dirait que t'as réussi. Très bon boulot, Johnny. Toutes mes félicitations. Merci, les mecs. Bienvenue à la CIA. Soldat modèle. Repéré pendant l'entraînement. Aïe. Je sais pas pourquoi il est jaloux de moi. Fugitive. Ouais, il avait pas l'air content que je sois là, le collègue, hein. Je mets le boxon comme ça. Il aime trop mettre le boxon, mon Hayden. Pardon, madame. Bah vas-y, what the fuck. Je suis obligé de faire le boxon, les gars. J'arrive pas à ne plus être dans Hayden. Ça m'a réveillé comme ça. Hayden, putain! Hayden! Arrête un peu, ok? Tu casses les couilles, Hayden! T'inquiète, y'a aucun souci!
Je vais lui donner un coup de froid. Pourquoi il fait ça? Aiden, il est mauvais, les gars. Ah, mais je peux faire un truc à moi, en fait. C'est bon, lâche-moi, Aiden. Fous-moi la paix, j'ai pas fermé l'œil depuis 3 jours. Ok, je suis crevée. Pourquoi t'as pas fermé l'œil? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Merci Azex, merci beaucoup pour ton prime. Mais les gars, je peux pas partir. Ah, je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec la valise là-bas. Ah non. Dans un avion? Non, c'était un train, non? Oui, c'était un train. Je vais encore pouvoir rejouer des tours. Ah, mais c'est moi qui suis recherché. Mais faut surtout pas que je fasse de bêtises, là. Chercher. Ils vont fouiller le train du coup? Je fais que faire les mêmes farces. Aiden. Ah, j'espère écoute, que tu t'es régalé, Yaok. De... Ah, là j'ai bien fait de la réveiller par contre. Il va falloir immobiliser le sergent, je pense. Je crois qu'on va pas avoir le choix. Bonsoir. Contrôle de routine. Est-ce que je pourrais voir vos papiers? Madame, retournez à votre place, s'il vous plaît. Je suis mort. Merde! C'est elle! C'est elle! Merci, D'Artagnan. Bon, livre Linkai à tout le monde. Plus merde, je l'ai attendu, je suis trop con! J'avais pas capté. Merci D'Artagnan, merci beaucoup. Hey, faites gaffe. J'avais pas vu, putain, merde. Tout le monde à terre. Police. Hey, ça va pas? Désolé, ta gueule. J'étais encore en train de secouer le joystick comme un con. Oh non, non, non! Non! Désolé, merde! Tiens, les roubignoles! Bon geste! Arrête-toi où je tire! T'es encerclé! Ouvre cette porte! Aiden, casse tout! Aide-moi, Aiden! Ouvre la porte ou on va la défoncer! Vas-y, défonce, défonce! J'avoue, le flic, il a loupé une vache dans un couloir, quoi. Là, j'attends à la sortie, je mets des gros coups de pied. Il va falloir se baisser, il va y avoir un tunnel.
C'est tellement stylé, les gars. On joue à Subway Surfer. Aussi. Merde, j'ai failli. J'ai cru que c'était un coup de pied. Par le bas. Je te tiens. Terminus, chérie. Garde les mains bien en évidence. Aide-moi, Isaac. Il nous faut des renforts, mais vite. Elle s'enfuit. Allez, Aiden, aide-la. Tellement stylé. C'était tellement stylé, sérieux. J'ai trop kiffé. Oui, je sais. Il faut qu'on sorte d'ici avant qu'ils reviennent. Comment ils peuvent déjà, c'est impossible en vrai. Genre précisément là où j'étais et tout, c'est pas possible. Déployez-vous à 3 mètres d'intervalle. Qu'est-ce que vous attendez, déluge? Oh merde, je croyais qu'il fallait sauter. Putain, j'avais pas vu que c'était aussi haut. Je vois pas, je vois pas. La caméra est sur le côté, je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Oh non, ils sortent des chiens. C'est ça B? Ah non, je me trompe de vue côté. Je me trompe. C'est pas logique, LB, RB. C'est quoi LBRB, putain? C'est ça, non? C'est pas les trucs au-dessus, LBRB, les gars? Ah non, c'est peut-être les joysticks, en fait, non? Left button, right button. Si, ouais, c'est ça. Pourquoi c'est pour suivre? Bah, je sais pas. Après, on a des pouvoirs un peu dangereux, donc... Peut-être que les gens, les autorités veulent nous mettre la main dessus parce que on pourrait être une force militaire ou je sais pas quoi. Moi je pense que c'est pour ça qu'on est recherché. C'est tellement stylé, les gars. On dirait un film, quoi. Vite. Aiden. Merci Mathilde. Bon là, désolé. Tu prends ta part. Hein. Ah ouais, mais c'est moi ou le chien là. Avec les chiens, j'en ai rien à foutre, moi. C'est quoi RB, putain?
Mais si, c'est la bonne touche, mais je comprends pas. Par contre, c'est pas logique, RB. C'est B genre comme bouton. Moi je croyais que c'était comme bottom, du coup je croyais que c'était en bas. Ouais, désolé Yuki. Hein. Où est-ce qu'elle est passée? Ah ouais, ça doit être right back en fait. Ça doit être B comme back. C'est sûr que c'est ça. Tu vois quelque chose? Merci les petits génies. Et T comme... Personne ne saura jamais. Oh fuck, putain. Il y a trop de boutons sur une manette. C'est pour ça que je préfère les claviers. T c'est bas, B c'est haut. T c'est bas, B c'est haut. On a besoin de lumière par ici, j'y vois que dalle. C'est pour trigger. Pour comme une gâchette quoi, ça doit être ça. Tu vois quelque chose? Oh merde! Cette fois on tient. Unité 18, je vous reçois. Une unité des forces spéciales avance dans votre direction. Ils prendront la fugitive en charge à partir de là. Bien reçu. Ils seront bientôt là, chérie. La balade t'a plu, j'espère. Toi, tu vas arrêter de m'appeler chérie, sinon je vais te mettre mon Hayden dans, le, dans la gueule. Tu dois sortir d'ici. Tiens, voilà, ça c'est pour m'appeler chérie. Une espèce de gros bof. Oh non. Aide-moi, Aiden. Je peux rien faire avec, je capte pas. Je comprends pas. Y'a un truc à faire avec ou pas? Non. Il va falloir que tu crées une diversion. Ah ouais, mais ça, je m'en doutais, mais je vois rien avec quoi je puisse interagir. Ah, si, là. Merci beaucoup, Syrah. Ah, c'est plus une diversion, là. Regardez ça! Elle s'est carrément retournée! Dégage, je vais avoir un accident.
c'est un conduit ici. C'est un conduit ici. Mais je vais avoir un accident. C'est inconducible, les mecs. C'est la merde, là. C'est la merde. Tenez votre position. Il faut que je leur jette l'hélicoptère dessus. Aiden, prends pas l'hélico. On va devoir passer tout droit. T'es prêt, Aiden? Il faut qu'il me fasse une protection. On y va. Aiden, j'ai besoin d'aide tout de suite. Oh, le bouclier de Zinzin. Ah, oh, Aiden en prince. Oh, Aiden. Ah, c'est vraiment un Chad. J'ai dit, ne tirez pas. Ici le barrage Tango. On l'a loupé. Je répète, on l'a loupé. Elle va faire péter une arme. Envie d'avoir un Aiden dans ma vie. Mais j'avoue, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'Aiden ne sait pas faire? C'est un boss. Oh, vas-y, Aiden, fais-nous voler, là. Allez, on bouge. Merci, Marine. Merci à ceux qui soutiennent. Vous êtes les boss. Merci mille fois. Une reine. Merci pour ça. Ah, ça pue, là. Ah, ça pue, il y a les grands moyens, quoi. Là, j'ai 5 étoiles dans GTA, là. Vous êtes encerclés. Sortez les mains en l'air et il ne vous sera fait aucun mal. Si je cherche vraiment les emmerdes, je vais les trouver. Occupe-toi de Aiden. Ah, je commence par l'hélico, hein. Ah, je peux pas. Attends, il faut que je leur jette les bagnoles dessus, en fait. Ah, ça marche pas. Ah, je vais voir le possédé. Mais c'est vraiment stylé, par contre, hein. Je voulais le posséder, moi. Ah, putain. C'est pas resté là, qui a d'autres? Eux? Je crois que je pourrais rien en faire. Ah, si. Ok, là, je vais le posséder. Je veux pas crever ici. Ah, pas de peau, ça. Elle se fera jamais. En tout cas, elle me frappe pas trop. Faites quelque chose, bordel de merde. J'ai vu qu'il y en a un, je pouvais choper lui. Là. Mais Aiden, c'est un violon, en fait, hein. Aiden, ils arrivent. Empêche-les de m'atteindre. Ah.
Mec, c'est trop stylé, hein. Là, je vais avec elle, je suis quoi? Aiden, vite! Tu dois faire diversion! Explose les voitures! Ok. Ok, ok, aucun souci. Y a des voitures que je peux exploser là? C'est elle qui l'a pu... Est-ce que vous avez vu ça? Ah, celle-là, je peux. Où se rapproche? En position! Faut que tu mettes! Oh, je crois que j'ai eu tout ce que je pouvais là, non? Il faut m'attraper! Allez, Aiden, aide-moi! Mais vraiment, j'ai fait tout ce que je pouvais, quoi! Il reste rien? Ah, si, là! Je peux leur jeter ça dessus? Et ça la jette pas? Ça pue sa mère! Ils vont entrer! Mais je peux rien faire! Allez, je t'en supplie! Fais quelque chose, Aiden! Y'a rien d'autre que je puisse défoncer là! Ok, je l'avais pas vu lui. Tout à l'heure, je pourrais rien faire pour l'hélico, mais maintenant je peux. Ils vont arriver. Là, ça devrait faire une belle diversion quand même. Là, j'ai tué tellement d'innocents. Après, il m'appelait ma jolie, c'est une raison de. C'est une raison valable pour tuer. Ma jolie égale 40 morts. Dites-leur de me foutre la paix, d'accord? Parce que la prochaine fois, je vous tuerai tous jusqu'au dernier. Bien dit. Bien dit. On y va, Aiden. Je suis pas une bête de laboratoire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle sent bon, ma lessive. Oh là là. Tu grattes le pull, enfin tu grattes le truc et ça fait sortir toutes les odeurs, c'est incroyable. Oh! Putain, je sens tellement bon. Je suis un vrai petit délice. Je suis un vrai petit truc délicieux et sucré. Je suis un petit loukoum. Ça sent trop bon. Ça, je vous promets, ma lessive, elle est incroyable, les gars. L'odeur de la lessive, y'a rien de meilleur au monde entier. Attends, il fait peur mon doudou là. Aiden, tu fais quoi? Maman! Il fait flipper Aiden! Partenariat avec la lessive, mon rêve. Hé hey, ma puce, tu vas quand même pas regarder par la fenêtre toute la journée. Essaie de trouver quelque chose à faire. Un petit poisson, c'est mieux que rien. Merci Axel pour le soutien, ça fait plaisir, merci beaucoup. Bienvenue à Juju du coup. L'heureuse gagnante d'un sub tombé du ciel. Je peux avoir un gâteau? C'est bientôt l'heure de manger, chaton. Si t'en manges un, tu n'auras plus faim pour le dîner. Merci, Pogame. Ok, pas de soucis. Non. Je suis pas comme ça. Je suis gentil avec ma maman. Arrête mon cœur, je dois préparer le dîner. Je voulais juste te parler. Hey, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Je veux juste... De l'attention. Juste... Voilà, tu vois, je suis toute mignonne. Je veux juste un petit câlin. Elle a refusé un gâteau dessus, là. Ça me paraît un peu excessif. Ok, faut que je m'y remette, mon cœur. Il
Je peux shooter ma daronne. Non. 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 Il fait que des conneries, Aiden. Il a envie de faire que des conneries. Je fais rien. Sinon, ma mère, elle va dire que je suis ingérable et elle va me mettre dans un truc pour enfants. Genre en mode, c'est comme ça que je vais me retrouver à devenir un rat de laboratoire. Jody, où est-ce que tu vas? Bah, je vais me promener. Nulle part, je voulais juste regarder dehors. Oh, mais je peux rien faire. Qu'est-ce qu'il y a à foutre dans ma maison? Elle va t'emmener au pensionnat de Sarlat après, mais c'est tout ce que je veux pas. Laissez-moi tranquille. C'est très beau ce genre de jeu, j'aime bien. Les jeux hyper comment scénarisés où t'as l'impression que tu joues presque à un film. Je trouve que c'est trop cool. Attends, mais il fait trop peur, Aiden, en fait, là. J'ai fait une petite grimace et il est arrivé, il m'a traumatisé. Aiden, t'es un putain de gamin, genre. Laisse-moi tranquille. Je me demande comment elle sait qu'il s'appelle Aiden. Bah, j'ai rien fait, du coup je me suis vraiment assis et j'ai rien fait du tout. Là je crois que c'est pour montrer que Aiden il me traumatisait. Je sens qu'il va pas me laisser jouer. Ah, bonjour madame la fée, ça vous dirait de venir chez moi pour... Il va détruire la poupée. Oh oui, j'en serais ravie. Super, dans ce cas on a qu'à prendre ma voiture. Oh, j'adore. Il va faire un accident de voiture. Oui, c'est moi qui l'ai choisie, et même qu'elle va vraiment super vite. Qu'est-ce qu'il va faire comme dinguerie, je m'attends au pire. On y est, allez venez, c'est par là. Waouh, quelle belle maison vous avez! Oui, j'en suis très contente. Mon mari me l'a offerte pour mon anniversaire. Evirene, c'est le prochain qu'on fait du style. Vous voulez un peu de sucre dans votre thé, madame la fée? Oh non, merci. Et alors, comment va votre mari? Ça va, il travaille en ce moment. Il est vraiment très beau. Arrête ça, Aiden, je t'ai déjà dit, j'ai plus envie de jouer avec toi. Il a fait venir en moonwalk avec la tête retournée et tout. Mais Aiden, il veut juste jouer lui aussi. Rien de bien terrible. Jody, chérie, tu peux me rendre un service? Oui. Tu peux aller dans le garage, me rapporter une bouteille d'huile? D'accord, je m'en occupe. Allez, je vais au garage. Où est-ce que ça serait le garage? Moi j'aurais mis... Si j'ai une maison comme ça, je mettrais le garage à droite, là. Tiens, il est flippant le garage. De l'huile dans le garage, la daronne cuisine à l'huile de moteur ou bien... Non mais parfois t'as des gens, ils ont un garde-manger dans le garage. C'est quoi cette merde? Aiden, je sais que tu cherches à me faire peur avec ça là. C'est glauque.
Salut, Babarbe. Oh, t'es mal, bidon d'huile d'olive, qui a ça? Mais Aiden, je pense qu'il est en, crise d'ado. Et qu'il cherche à me faire peur. Je pense vraiment qu'il fait une crise d'ado. Tiens, maman, 8 litres d'huile d'olive. Merci, mon cœur. Vas-y, je me fais chier, maman, là. Hé, hey, mon cœur. Pourquoi t'irais pas jouer un peu dehors? Je t'appellerai pour le dîner. Non, je fais pas. Je fais pas. Elle m'a dit non, je le fais pas, je vais dehors. Je fais comme elle a dit. Oublie pas que quand le professeur lui avait demandé qui t'a fait ses griffures, elle a dit non, c'est pas Aiden, mais le monstre. Ah oui, c'est vrai. Chérie, mets ton manteau. Il fait ça se trouve, Aiden, dehors. Il est bipolaire. Tu sais, il y a une partie du même qui est gentille et une autre partie qui est tout l'inverse. C'est possible en vrai. Mais les deux sont la même personne. Tu sais, parfois, il pète des câbles et tout. Je suis sûr qu'il a deux... Je suis sûr qu'il a deux facettes, entre guillemets. Big drip. Big drip. Sa jump turbo flex, ça a mis la paire de Groll. Ça va dripper outside avec les bros. En mode hiver. En mode Courchevel. Bon, d'accord. Super, maintenant je peux m'ennuyer et avoir froid. Mais ça, tu t'en fiches pas vrai, Aiden. Toi, t'as jamais froid. Maintenant, je peux m'ennuyer et avoir froid. J'aime bien ce genre de réflexion. Ça me fait rire. Est-ce qu'on peut faire de la balançoire? Ok, let's go. Tu veux bien me pousser, Aiden? Ouais. C'est pratique en vrai. Et je vais la dégager tellement haut. Allez-y les nuls, attaquez-moi. Ah, je peux plus. Aïe, aïe, c'est froid. Qui parle? Il est là-bas derrière elle. Comme tu on veux. Y va, allez, on va le choper. Allez-y les nuls, attaquez-moi. Eh, hey, t'as rien entendu faire avec ça eux. Ça venait de la rue. Bah oui, ouais, il est plus que chouette là, le bonhomme de neige. Il est chouette ton bonhomme de neige, c'est un truc grandeur nature de toi. Bon, il est chouette le bonhomme de neige, c'est un 2 sur 10 quoi. C'est chouette. Le truc, les plus grands sculpteurs du monde font pas ça. Il est là-bas derrière. Ah, elle voit des gens s'amuser. Je crois que je sais comment je pourrais m'amuser. Je peux te dire que tu vas me le payer. Ouais, prends ça. Je sais, on n'a pas le droit d'aller dans la rue. Allez, on va juste jouer 5 minutes et on revient. Maman le saura même pas. Mais je veux pas faire ça. C'est illégal. C'est illégal, ta mère t'a dit de ne pas le faire, c'est dangereux. Aiden, t'es le meilleur. Putain. Ok.
Jody, tu veux jouer avec nous? Ouais. Allez, dépêche-toi, va te cacher, tu vas te faire avoir. Merde, j'ai pas visé. D'accord, je me rends, ça suffit, j'abandonne. Prends-toi ça dans la gueule. Merci, Lex, c'est gentil, merci beaucoup pour le soutien. Eh, hey, ça c'est de la triche. Bah pourquoi? On y va, allez, on va le faire. De la triche, je suis trop fort. Tu m'auras pas. Ça va, elle s'amuse, c'est bien, y'a rien de mal. On y va, hey, allez, on va le faire. Bah tiens, bouffe là. Bouffe ça. Les gars, je suis un putain de sniper. Tu l'as prise en... Cette fois, t'es foutu. Je t'ai eu. Non, non, mais lâche-moi. Non. Oh non, et Aiden, il va me protéger. Mais il veut me tuer, là. C'est pas des frites. Il veut me tuer. C'est des montagnes de frites. Oh non, non, stop, stop. Stop, stop, stop. Je l'ai tué ou quoi, là? Merci, Lex, c'est adorable. Merci pour les 5 subs. Mais j'ai rien fait, t'as essayé de me tuer, espèce de con! C'est une sorcière! Je vous aurais prévenu! Merci énormément, Lexin, c'est trop gentil, bienvenue aux 5 nouveaux! Allez, allez! Merci pour le soutien! Allez, dépêche! J'aurais dû le tuer! Rentre à la maison! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu faisais dans la rue? Tu sais que tu n'as pas le droit de quitter le jardin! J'ai vu les autres enfants jouer, je voulais juste m'amuser un peu. Qu'est-ce que tu as fait à ce garçon? Tu peux me le dire? Je lui ai rien fait du tout, c'est de la faute d'Aiden. Il essayait de me défendre, il a cru. Je commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges. Jody, non, celle-là, non, tu dois pas voler. Philippe, non! Attends, il veut vraiment me fighter là? Mon père veut me faire ça? C'est un beau père. Ça peut Allez. Pas être mon père, je refuse de croire que mon père voulait me tabasser. Aiden, bien joué. Je laisserai pas faire ça, hein. Essaie de dormir un peu, mon cœur. D'accord, maman. Tout ira bien mieux demain matin, d'accord? D'accord. Bonne nuit. Maman! J'ai peur que les monstres viennent ici, maman. Ils vont m'attraper. Chérie, les monstres, c'est juste dans ta tête. Je laisse la lumière et la porte ouverte, d'accord? D'accord, maman. Dors bien, ma chérie. Ah, toi aussi, maman. C'est dur avec elle, Philippe. C'est juste une petite fille. Tu en es sûr? Tu as vu ce qu'elle peut faire? Suzanne, ce n'est pas une petite fille, c'est... C'est un monstre. Je t'interdis de parler d'elle comme ça. Merci, maman. Tu vois bien les choses qui se passent quand elle est là. Ça n'a rien de normal et ça devient dangereux. Pour l'amour du ciel, Suzanne, qu'est-ce qui l'empêcherait de s'en prendre à nous? Ne sois pas ridicule, voyons. Suzanne, cette chose, c'est comme un animal incontrôlable. On n'a aucune idée de ce dont elle est capable. Il y a un démon qui vit avec nous, juste sous notre toit. Suzanne, il faut que ça s'arrête. Et que ça s'arrête maintenant, avant qu'on perde la raison ou la vie. Nous avons accepté de prendre soin d'une petite fille, Suzanne, mais pas comme ça. Pas comme ça. La pauvre. C'est le pire, mon daron. T'as aucune raison d'avoir peur, Aiden.
On va tous les deux s'endormir. Et il va rien nous arriver de mal. Il y avait vraiment des espèces de... Bah je sais pas, c'est bizarre. En fait c'est pas Aiden du coup, vu qu'elle essaie de rassurer Aiden.